Des crépitements d'armes se sont fait entendre dans la matinée de ce mardi 26 juillet 2022 autour du siège de la MONUSCO à Goma. Selon des témoins sur place, il s'agit des tirs des policiers et des militaires qui gardent les lieux après l'incident d'une attaque violente des habitants de Goma de ce lundi 25 juillet 2022. Ces habitants avaient répondu à l'appel de manifester contre la force onusienne d'au moins 14 000 casques bleus. Toutes les routes de la ville ont été d'abord barrées avant de mener un assaut musclé sur le siège de la MONUSCO et un peu plus loin sur sa base logistique. Le personnel civil a été vite évacué, tandis que les militaires tentaient de bloquer la foule sans y parvenir, avant d'utiliser des bombes lacrymogènes, dispersant ainsi les manifestants. Avec l'intervention des militaires des FARDC et de la police congolaise, des dizaines de manifestants ont été arrêtés et sont dans les mains de la police pour des enquêtes, selon toujours des sources en provenance de Goma. En réalité, les habitants de Goma accusent cette force onusienne d'inefficace pour empêcher l'implantation des mouvements armés qui ne cessent d'emporter des vies des Congolais. Dans un communiqué dans l'après-midi de ce lundi, la MONUSCO a déploré cet incident qu'elle a qualifié de très grave au lendemain des propos hostiles et de menaces à l'encontre des nations. Parmi les personnalités qui ont lâché de tels mots figure le président du Sénat congolais, Modeste Bahati, qui a demandé, au cours d'un meeting qu'il animait le 15 juillet 2022, à la MONUSCO de plier ses bagages parce qu'elle n'a pas pu restaurer la paix dans cette partie de la RDC. Même le gouvernement congolais a condamné cette attaque contre cette institution onusienne. Il promet de poursuivre et de sanctionner les responsables, surtout que des agents de l'armée congolaise ont brillé dans des actes de pillage. Ils ont été aperçus dans les quartiers en train de transporter ce qu'ils ont pillé.